Bon voilà, la session de pêche terminée. Donc une journée pas mal quand même. Hein. Pour la deuxième semaine après ouverture, c'est pas mal, donc ça fait bien plaisir. Donc je vous en dis pas plus, hein. Et surtout je vous dis de regarder bien jusqu'à la fin, parce que la dernière séquence de pêche, elle est, du moins la dernière action, elle est vraiment sympathique. Donc je vous laisse le plaisir de la découvrir. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Ah là, c'est joli. C'est déjà plus joli que tout à l'heure. Hein. Même si c'est petit. Je comprends pourquoi ça tirait un peu plus. Elle est prise sur le côté. Elle arrase paillou. Oh, elle a des couleurs, waouh! Petite, mais elle est magnifique. Hein. Elle est jolie celle-là. Et c'est pas mal quand même. C'est joli. Je l'ai vu se retourner dans l'eau pour choper le verre. Direct, c'était sympa. Taille correcte pour le ruisseau. Allez. Elle est jolie. Elle tire bien le fond. Elle est jolie. On va essayer sans se casser la gueule. Sans se casser la gueule d'aller la voir. Ça c'est moins évident. Allez. On y est presque.
Voilà. Calme-toi, cocotte. Magnifique, hein. Elle n'est pas vilaine non plus. Taille modeste. Juste prise, juste. Vous voyez, juste l'hameçon. Au moins, on la blessait pas pour la décrocher. La petite photo. Les amis, je crois que j'avais la GoPro allumée. Elle est là, la bestiasse. Je suis content parce que l'année dernière je l'avais prise aussi. J'essaierai de faire un petit montage vidéo, mais l'année dernière pareil, j'ai pas filmé. Cette fois-ci, j'ai pris dans ce petit trou. Je vais la mettre au-dessus qui a plus d'eau. Donc on va faire les belles photos et après ben, on va lui rendre sa liberté hein, parce qu'elle est sublime. Magnifique. Voilà. Elle est magnifique. Elle envoie du pâté, celle-là. Elle est belle. On va la remettre dans son élément. Hein? Ok, les gars? S'il y en a d'autres qui te croisent, à mon avis, il ne ferait pas la même chose que moi. Allez, fais un bisou et barre-toi. Ouais. Elle est pas vilaine. Elle est pas vilaine. Bon, bilan de la matinée est un peu mitigé. Hein. Pas beaucoup de poissons, mais une belle truite. Dommage que j'ai pas pu filmer la prise, mais bon, dommage. Donc on va se quitter sur ce petit trou. Malheureusement rien du tout. Et on va changer de ruisseau. Et on va voir si c'est le meilleur. Mais je pense que oui, parce qu'il est plus ensoleillé. Donc ça devrait taper un peu plus. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, changement de décor total. Hein. Ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment bien sympathique. Donc, j'espère que j'ai fait le bon choix pour choisir ce ruisseau.
J'espère que le pari va être gagnant en avoir choisi ce ruisseau. Hein. On verra bien. C'est là. Il y a une touche là. Ça y est. Ah, c'est... J'hallucine. Il y en a une... Une truc qui veut la becter. Je sais pas si vous voyez l'image. Elle l'a dans la bouche. Alors là, je sais pas si ça va marcher. On va voir si la grosse va gober la truitasse. Et je vais la ramener, on verra bien. Alors là, je crois que c'est du jamais fait. Du moins, pour ma part. Alors là... C'est quand même extraordinaire. Ça s'appelle avoir un cul. Ça s'appelle avoir un cul. Heureusement qu'il y a la vidéo, parce que sinon, je pense qu'il n'y a personne qui me croirait. Mais je me demande comment elle faisait à tenir. Elle devait... Putain. C'est incroyable ce poisson. On va faire de belles photos de celle-là. On va se mettre. Un peu de cul, ça fait plaisir. Hein. Allez.